Shavuot à tous, nous sommes le Motzé Shabbat 25 Adar Aleph 5776 et l'étude sera le Lunishmat Rivka Batsara, Rachel Batsara, Refael Chizkiyahu Ben Yehuda. Nous étudions Baba Kama Perek Dalet, Mishnah Dalet. Shor Shel Pikeach, Shenagar, Shor Shel Cheresh Ote Vekatan, Chayav. Veshel Cheresh Ote Vekatan, Shenagar, Shor Shel Pikeach, Patur. Shor Shel Cheresh Ote Vekatan, Shenagar, Bet Dinma, Midin Nain Apotrophos, ou Midin Nain Bifne Apotrophos. נתפקח החרש, נשתפה השוטה והגדיל הקטן, חזר את עמותו דברי רבי מאיר. רבי יוסי אומר, הראו בחזקתו, שור על סדין אינו חייב מיתה, שנאמר כי יגח ולא שיגיחו. Petite introduction d'abord, le statut du חרש, שוטה וקטן. חרש, c'est un sourd, on parle dans le droit d'un sourd de naissance qui n'a pas pu communiquer avec l'extérieur, donc n'a pas pu développer son intellect. Choté, un fou, donc qui a un intellect bien bas, et Katan, un enfant aussi, qui n'a pas pu développer son sechel. Donc le dénominateur commun de ces trois personnes est qu'ils n'ont pas, il n'y a personne à qui parler, ce sont des personnes qui n'ont pas développé leur QI, et ils ont donc on ne peut pas les nommer responsables de quoi que ce soit. De ce fait, de manière générale, ils sont pturim de toutes les mitzvot de la Torah, puisqu'il n'y a personne à qui parler, c'est clair. Il y a quand même une mitzvah pour le katan de l'éduquer à faire des mitzvot, mais en tout cas, lui-même n'a pas de devoir. Ça, c'est pour l'introduction générale. Concrètement, notre Mishnah va nous parler d'un cas particulier, du taureau, notre rapport avec le taureau d'une de ces trois personnes. L'idée va être simple. Si moi, je leur cause un dommage, je dois les dédommager. Si eux me causent un dommage, enfin leur taureau me cause un dommage, alors là, il y a quelque chose de très particulier. Il y a en théorie un Ben Israël, un juif, qui doit théoriquement me rembourser, mais que malgré lui, il n'est pas là, il n'est pas présent. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, la Mishnah va nous dire comme ça. Shor shel pikear, shenagar, shor shel cheresh ote vekatan chayav. Le taureau d'un pikear, d'un homme intelligent, normal, qui a encore né le taureau d'un cheresh, d'un sourd, choté, d'un fou, katan, d'un petit, chayav, je dois le dédommager. Par contre, veshel cheresh, choté vekatan, par contre, le taureau d'un cheresh, d'un sourd, choté d'un fou, katan, d'un petit, que par contre, lui est venu encorner mon taureau. Shenagar, shor, shel, pikeach. Il est parti encorner le taureau d'un pikeach, d'un homme normal. Alors là, il est pas tour. Il sera dispensé de dédommager. Pourquoi? Alors, je vous explique la Mishnah d'abord selon le Barthénora, qui dit quelque chose, qui sera ensuite discuté. Je vous rapporte ensuite la Vitosot qui est rapportée ici par le Sotir Tov. On avait appris déjà dans la première Mishnah, dans la Mishnah du Perek Rishon, que de manière générale, je ne peux me faire rembourser des orphelins, des enfants, que des biens immobiliers et pas des biens mobiliers. Exemple simple, leur père me devait 10 000 shekels, euros, il est décédé, il a laissé des biens. Alors s'il a laissé des biens immobiliers, des terres, des maisons, alors je pourrais me faire rembourser. Je vais aller voir le Bedin. Et le Bedin va me dire, ah, c'est vrai que telle personne n'est pas présente, mais puisqu'il y a des biens immobiliers, les biens immobiliers sont garants de ses dettes, donc je peux me faire rembourser. Par contre, des biens mobiliers, il a laissé des voitures et des tas de biens mobiliers, même un compte en banque. Alors là, je ne peux pas me faire rembourser. Parce que les biens mobiliers, l'argent et tous les biens mobiliers, ne sont pas garants pour les dettes qu'il a. Voilà, ça c'est la notion. Concrètement, un petit rappel, quand un taureau encorne, les trois premières fois, il faut payer mi gufo, il doit payer de son corps. Oui, si mon taureau cause un dommage, alors quand l'endommagé vient et réclame paiement, remboursement, puisque c'était Keren, et Keren il paye mi gufo, il paye de son corps, je lui dis, tu prends fait une saisie du taureau. S'il saisit, le taureau il est parti, il s'enfuit, je ne lui dois plus rien. D'accord, je veux dire, va le chercher toi dans la forêt et récupère-le et fais-toi rembourser. Ça, c'est parce qu'il paye mi-goufo. En l'occurrence, quand on a affaire à des yétomim et que leur taureau, il est tam pour le moment, il est inoffensif, donc il n'a pas encore encorné. Donc ils doivent, en théorie, payer khatinezek mi-goufo. Or, payer mi-goufo de son corps, c'est un bien mobilier et je ne peux pas me faire rembourser. J'ai perdu. D'accord? Ça, c'était ce qui avait marqué dans la Mishnah, que quand leur taureau, il a encorné un taureau, alors ils sont pas tours, ils ne doivent pas me dédommager. Par contre, malgré tout, vous êtes d'accord qu'on ne va pas pouvoir laisser
un tel danger public. Ça va devenir la jungle dans la rue. Les taureaux des enfants et des frères achetés des katanes, on va dire par exemple qu'ils ont reçu des héritages, donc ils réussissent à vendre des biens. On ne va pas les laisser se promener n'importe comment et causer des dommages à tout va. Alors regardez ce que la Mishnah va me dire. Shor shachere shote vekatan shinagar. Malgré tout, lorsque le taureau d'un sourd, shote d'un fou, katan d'un petit, shinagar, qui est parti et qui encore. Alors la Mishnah nous dit comme ça. Bet din ma midin laen apotropos ou meidin laen bifne apotropos. Après que le taureau s'est habitué maintenant à encorner et qu'on le sait, ça fait déjà trois fois au moins, alors le bedin va chercher un apotropos, un tuteur, concrètement c'est un administrateur de biens. On va nommer maintenant un tuteur qui va s'occuper à représenter ces personnes qui n'ont pas de sérel, qui n'ont pas de date. Et dans ce cas-là, il y a maintenant un responsable à qui s'adresser. Et on va lui dire, regarde, surveille maintenant ce taureau parce que ce taureau il est devenu mouad. Oui, on va l'avertir, on va amener les témoins, on va le rendre mouad, on va le rendre taureau averti. Et désormais, s'il y aura un dommage, alors, en théorie, il y a un responsable, donc il y a le tuteur. On lui dit, toi, tu dois me rembourser. Mais concrètement, on va plutôt lui dire, on va partir rembourser des biens de ces personnes-là. Je m'explique un peu mieux parce que je pense que vous ne m'avez pas compris. Concrètement, il y a ici un responsable. Puisque le responsable a failli maintenant à son devoir de surveiller le taureau, alors la Mishnah me dit, je vais enfin me faire rembourser parce que j'ai affaire à un taureau mouad. Et que les yétomim, et que les enfants, ou ce fou, ou peu importe, il y a maintenant un tuteur qui s'adressait, donc on va pouvoir maintenant faire une saisie des biens, et se faire rembourser des biens immobiliers qu'ils ont. Voilà. Maintenant, il y a un petit problème technique que je vous explique quand même, c'est que l'apotrophos, ce tuteur, puisque c'est lui qui doit les garder, en théorie, c'est lui le responsable, c'est lui le gardien, donc s'il y a un dommage, c'est lui qui devrait payer de sa poche. C'est vrai, et la Gemara nous dit que malgré tout, si on va demander au tuteur, à l'administrateur de biens, de rembourser lui-même, il n'y aura plus personne qui voudra être administrateur. De ce fait, on préfère lui dire juste gère les biens et au pire, on se fait rembourser de chez lui. D'accord, c'est clair? Voilà pour cette partie de la Mishnah qui était claire quand même. Concrètement aussi, un autre petit détail aussi important quand même. Je vous le dis, Tosfot nous explique la Mishnah différemment. Il explique que quand on ne peut pas se faire rembourser des itomim quand le taureau est tam, c'est en fait une logique. C'est pas lié au fait qu'on ne veut pas prendre des biens de ses enfants, mais c'est plutôt, ça dépend d'une autre raison, c'est qu'on constate que la Torah, de manière générale, a eu une tendance à dispenser de rembourser le taureau qui n'est pas encore averti de dédommager, puisqu'il doit payer que Khatsenezek la moitié du dommage. Alors, Chachamim est venu et nous dit, tu sais quoi, ne nomme pas encore d'administrateur de biens, et comme ça, dispenser complètement. On continue un petit peu dans cet esprit de vouloir dispenser celui qui cause un dommage. Ça c'était pas le petit surplus. Nitpaka Khacheresh, maintenant on continue maintenant, regardez. On continue la Mishnah. Là maintenant on a parlé que le taureau des Khacheresh, Shotev et Katan, du sourd, du fou ou de l'enfant, a encorné. Donc il était dispensé de payer. Après trois fois, alors on va nommer un apotropos, un tuteur. Et à partir de maintenant on va l'avertir et ils pourront rembourser. Qu'est-ce qui se passe si... Alors... L'enfant devient grand d'un coup, il fait sa bar mitzvah. Donc maintenant, il y a un bar date, il y a quelqu'un à qui s'adresser. Il va enfin pouvoir dédommager, d'accord? Ou bien, ça peut être dans tous les cas, nitpaka chacheresh. Le sourd a maintenant retrouve l'audition et commence maintenant à communiquer, à développer son cerveau. Nishtapa shoté, ou bien le fou arrête de devenir fou, ça peut aussi exister. Veigdi la katane, ou bien le petit donc est devenu grand. Alors là, il y a une halakha spéciale. En théorie, si le taureau était déjà mouad, il était déjà averti de causer un dommage, en grandissant, il garde le même statut, eh bien regardez, non, Rabbi Meir ne pense pas comme ça, il nous dit « Chazar le tamuto divrei Rabbi Meir ». Rabbi Meir nous dit, à partir du moment où, je dirais directement la raison, à partir du moment où il change de propriétaire, que quelque part, jusqu'à maintenant, il était sous la tutelle de l'apotropos, de l'administrateur de biens, et que maintenant, il va revenir dans la propriété de son maître, de son vrai maître, alors on considère que Reshut Meshana, la propriété, fait changer le statut. D'accord? Donc le taureau perd son statut de Mouad, d'averti, et redevient un taureau Tam, simple. Maintenant Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi pense, Areo Becheskato, il n'est pas d'accord avec cette histoire, Rabbi Yossi nous dit non, le taureau reste le même, c'était un taureau
réputé pour encorner, il garde son même statut et donc il payera Nezek Shalem même quand il passera quand il reviendra dans la propriété du vrai maître qui est redevenu clairvoyant. Shor, maintenant, on passe maintenant à la suite de la Mishnah. Là maintenant, on entame un autre tournant dans les autres Mishnayot. On va plus maintenant s'intéresser au taureau qui tue un homme. On va amplement développer le sujet dans les prochaines Mishnayot, mais pour le moment on introduit juste une petite halakha nécessaire pour comprendre cette Mishnah, c'est qu'un taureau qui tue un homme, dès la première fois même, à partir du moment où il a tué, la Torah nous dit, il faut tuer le taureau. On doit lui faire une skila, une lapidation. D'accord ? Maintenant, cas particulier, c'est intéressant pourquoi la Mishnah elle a préféré directement nous projeter dans cette situation au lieu de nous introduire la halakha, mais c'est des choses qui arrivent dans les Mishnayot. La Gemara explique souvent les raisons, mais enfin on ne va pas trop ranger. Shor ha'itzadin eno chayav mita. Shor ha'itzadin, c'est un taureau de corrida. Itzadin, c'est comme un stade. D'accord ? C'est étymologiquement, c'est la même source, je suppose, grec. Ça correspond tout à fait les stades. Shor ha'itzadin, le taureau du stade, en fait c'est un taureau de corrida, qu'on va et qu'on chauffe à l'époque avec d'accord, c'était fréquent chez les Romains, ensuite chez les Espagnols, mais bon. Shor ha'itzadin, un taureau de corrida. Eno chayav mita, quand il a tué, il n'est pas chayav mita, il n'est pas passible de mort. Chez Nehemar, parce que la Torah nous a dit, qui yigar lorsqu'il ira encorner. Veloch yagichou, et pas que quelqu'un d'autre est venu et l'a chauffé jusqu'à ce qu'il encorne. L'idée est claire ? Donc, je répète, si un taureau encorne et tue, il est chayav mita, mais si le taureau il l'a tué parce que l'autre est venu le chatouiller, l'énerver, et jusqu'à ce que le taureau, il s'est fâché, il l'a tué, alors dans ce cas, le taureau, il est dispensé. Veloch yagichou, c'est la forme factitive. Et pas qu'il encorne parce que quelqu'un l'a fait encorner, c'est qu'il l'a poussé à bout. Voilà pour la Mishnah, on fait très vite le Barthénora. Alors là, c'était le deuxième cas de la Mishnah, où on parlait que c'est le taureau du fou, de l'enfant, ou du zour, qui est parti encorner le taureau de la personne intelligente, qu'on avait dit qu'il est patour. Il est dispensé de dédommager. Pourquoi ? Parce qu'on ne nomme pas un tuteur, un administrateur de biens, pour un taureau tam, simple, ligvot migufo, pour se faire une saisie de son corps. Pourquoi ? Des métal télé ou ? Parce que c'est des biens, saisir son corps, c'est un bien mobilier. Et on a appris dans le premier perek, et là-bas, il y avait marqué dans la première Mishnah, Shum Kesef et Shve Kesef, dans la deuxième Mishnah du premier Perek, il y avait marqué là-bas Shve Kesef, et la Gemara l'avait expliqué qu'on apprenait là-bas, mais la Medjen Bet Din Nizkakin, le Bet Din ne se permet de faire une saisie, et là, les Nechassim Shesh Laem Achrayut, que pour les biens qui ont une garantie, c'est-à-dire des biens immobiliers, c'est des biens qui ont une garantie, parce que c'est des biens qui ne peuvent jamais disparaître, à la différence d'une belle voiture qui peut brûler, ou peu importe. Un bien, un terrain, il sera toujours là. Veokimna beyatme, là-bas on expliquait qu'on parlait de yetomim, d'orphelin, et ça revient en même en fait pour toute personne qui n'est pas là, hein, où il n'y a personne, il n'y a personne avec qui communiquer. Mais Midinan Apotropos, donc là c'est une fois que le taureau a encorné trois fois de suite, où maintenant on va nommer un tuteur, un administrateur. Im urzeku nagichanim, si les taureaux ont été réputés maintenant pour encorner avec une certaine fréquence, Ma'amidin la apotropos, on va nommer un apotropos, un tuteur. Velo le shalem chatinezek, mais pas pour se faire rembourser le chatinezek. Parce que comme on avait expliqué juste avant, le chatinezek, on se le fait rembourser de migoufo, de son corps. Et là, on ne peut pas le faire. Et là, les chaviers mouad, uniquement pour le nommer mouad, qui va devenir averti. Et désormais, on pourra se faire une saisie des biens immobiliers. De chiyadar nagar. Mais Shalem Mina Aliyah, afin que pour le prochain coup de corne, on pourra les faire rembourser Mina Aliyah de ses biens immobiliers, Veikvu Anezek Mikarka Shalitomim, et on pourra se faire rembourser le dommage à partir du Karka Shalitomim, du terrain des Yetomim des orphelins. Choser le Tammuto, on avait vu, ah oui, c'est que quand il y a le changement de propriété, donc une fois que le petit grandit, et le taureau va repasser maintenant du domaine du tuteur pour revenir sous la propriété
sous la tutelle de son vrai propriétaire, en fait, le katane, le petit qui est devenu grand. Alors, des kassavars, parce que... Alors, maintenant, le Bartendor nous explique la vie de Rabbi Meir. Des kassavars, parce que Rabbi Meir pense, « Mouad sheyatsa mireshut be'alav venichnas mireshut be'alim acherim chozer lem tamuto. » Un taureau mouad averti qui quitte un domaine de son propriétaire, « venichnas mireshut be'alim acherim » pour ensuite rentrer chez un nouveau propriétaire, Chozer le Tamuto, il perd son statut de taureau qui est en corne, il redevient un taureau tam, simplet, inoffensif, qui n'est pas censé en corne. Des rechutes meshane et dinatraato. Parce que le domaine qui change modifie aussi le statut de sa atraa, du fait qu'on l'a averti. Et ensuite, sur la sefa, la dernière partie de la méchante, on avait eu Shor al Stadin, le taureau du stade. Meshemiyuchad le Negichot. Un taureau qui est éduqué pour encorner. On met la médine auto, l'écart, et qu'on l'éduque pour ça. On le dresse spécialement pour ça. C'est tout pour ce soir. Je vous souhaite un Shavua Tov, une semaine pleine de réussite, et rendez-vous demain. Kol Tov Sela.